C'est une rumeur qui a vu le jour en 2003. À l'époque, Cecily Ponsan, ex-compagne de Bryan Adams, révèle que celui-ci a eu une liaison avec Lady Diana. Une idylle qui aurait débuté quelque temps après la rupture entre la princesse de Galles et son mari, le prince Charles. Ainsi, le chanteur aurait rencontré Lady Diana grâce à son ami Paul Burrell, qui est également l'ancien majordome de la princesse. D'ailleurs, Paul Burrell lui-même aurait relancé les rumeurs sur cette prétendue idylle au début de l'année. En effet, un candidat de la version australienne de Je suis une célébrité sortez-moi de là, émission dans laquelle l'ancien majordome était également au casting, a affirmé que celui-ci lui aurait confié. Oui, Diana et Bryan Adams sont sortis ensemble dans le milieu des années 1990. Visiblement, Paul le faisait entrer dans le palais de Kensington par le coffre de sa voiture. Si Lady Diana n'a malheureusement plus de ce monde afin de se défendre, Bryan Adams a fini par répondre aux rumeurs. Invité lundi 25 juin de l'émission Watch What Happens Live, le chanteur canadien n'a pas échappé à la question. Interrogé sur la nature de sa relation avec Lady Diana, il a affirmé qu'ils étaient très bons amis. Et d'ajouter. Elle ne me faisait pas entrer en douce. J'entrais par la grande porte.